Salut à toutes et salut à tous, c'est Hunk d'Amatest.com et on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie du Hulk du Yu-Gi-Oh! GX Spirit Card. Donc, dans la précédente partie, j'ai fait comme que j'ai fait dans toutes les autres. J'ai refait mon deck, j'ai fait plein de duels et on attendait que l'histoire avance quoi. Et donc, là pour le moment, j'ai pas d'autre choix que dormir puisqu'il fait nuit et qu'on arrive au couvre-feu. Quelle idée de débile ce couvre-feu, je trouve. C'est le matin, allez, il est temps d'aller à l'école. Et j'espère qu'il va y avoir un événement parce que s'il y en a pas, vous allez voir à quel point les heures de cours sont complètement inutiles dans ce jeu. Voilà les cours. Voilà, ça y est, j'ai fini les cours. Non, je déconne pas. Bon, on va retourner dans notre zone, parce qu'en fait, aller dans les autres zones, on verrait d'autres duellistes, sauf que puisqu'on n'a pas le niveau, enfin, puisqu'on n'a pas un haut niveau, on peut pas les affronter, ils vont juste se foutre de votre gueule parce qu'on est rouge sliffer, et puis c'est tout. Allez. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait du petit duel, ça va pas me faire de mal. Allez. Parce que si je ne me trompe pas, sa magie là, elle permettait d'invoquer plein de monstres. Allez, je tente le coup. C'est bon, ça passe. Donc, s'il joue pas d'autres magies et pièges au prochain tour, je lui fais sa fête. Enfin, presque. Non, mon gars, tu vas rien faire du tout. C'est bon, t'as compris? Allez, finis toi. Je vais pas arrêter de surtenir cette musique, j'adore la musique de jeu. Oh là 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 là, ce qui va être dégusté là. Roi Yami Makai avec la hache du désespoir, il va avoir 3000 points d'attaque. Même un dragon blanc aux yeux bleus pourrait pas en venir à bout. Ça va, ça fait pas trop mal. Ah mais c'est quoi ce duel? Je joue tout seul ou quoi? Bon bah le duel est gagné hein. Non mais c'était quoi ce duel hein? En 7 tours quoi. Cyrus c'est vraiment un monstre hein. C'est plus je les affronte ceux-là plus je me rends compte que oui c'est vraiment un monstre hein, Cyrus. Je vais avoir un bonus. Oh il aurait pu mettre un bonus victoire rapide quand même. Hop, allez. Normalement Cyrus je devais. Putain. Je pensais que je l'avais enregistré. Bon bah. Cyrus, je l'ai pas en enregistré. Ce que je pensais dans ma dernière victoire contre lui, qu'en fait il m'avait donné son login. Et comme ça je pouvais savoir quand je le rencontrerai sur la carte. Mais finalement, faut voir que non. S'il y a bien un truc que j'ai appris contre lui par contre, c'est qu'il faut jouer à défensive. Ah, j'ai même pas envie de me jouer offensive, vous voyez. Enfin, salut, je m'attends à tout. Ah,
Oh, j'y crois pas. Il m'invoque ça dès le premier tour, je crois pas. Ah bah j'ai tenté le coup, hein. De toute manière j'ai rien d'autre à faire. Mon samouraï là c'est ce qu'il faut que je dégage. Oh purée. Et en plus active son effet, donc même si je gagne, je vais même pas le détruire quoi. Oh la rage. Oh la rage. Ah, l'effet de ce monstre, il me tuera. Oh, et en plus, il me fait le loco hélicoïde, un truc comme ça, le Steam Giroid, je sais plus comment il l'appelait dans l'animé, la loco hélicoïde, une connerie dans le genre. Il la passe en mode défense. Miracle. Surtout, je crois que même en défense, de toute manière, son bestio là, il y a son effet. J'ai perdu le point de vie, mais au moins son hélicoptère là, enfin sa locomotive hélicoptère, elle va dégager. Parce que ça, s'il reste sur le terrain, je vais me faire pourrir. Et si je mettais mon monstre en mode défense et que je le laissais attaquer, ce serait prendre le risque qu'il remette son ninja, enfin son samouraï là, en mode attaque et qu'il l'attaque. Donc là, je perdrais dans mon avantage. Donc quitte à perdre mon point de vie, autant que je dégage vraiment le monstre que je veux. Je vais me faire pourrir, je vais me faire pourrir, je vais me faire pourrir. Alors en plus c'est vrai que je pêche que mes monstres là donc. Alors mettre un monstre en défense. En priant qu'il attaque pas. Tant que son ninja reste en défense, tout va bien. Oh saleté! Oh là là, non! Il faut que t'arrêtes, j'ai pas activé mon piège contre mon propre monstre. Allez, perds, saleté! Oh, il a gagné! Oh, vas-y, dégustez pas en ce tour. Hein? Si possible, en fait, faut que je récupère des magies de destruction, des magies et des pièges qui me permettent de détruire ces monstres. Parce que là, son. En fait, c'est son samouraï qui me bloque. Attends, je vais faire ça parce que sinon, je vais pas pouvoir jouer sur la défense. Je sais que c'est con, mais j'ai pas d'autre solution. Hein. Non, c'est durant ce tour, je suis foutu, je pense. 1800, 1200, 3000, ah, ça va. Non, ça va être foutu. À moins que je récupère, genre un truc, genre l'âge du désespoir qui me permettrait de détruire son sous-marin. Mais si je détruis pas son sous-marin au prochain tour, je suis foutu. Enfin, je pense, si mes calculs sont bons, si je détruis pas son sous-marin au prochain tour, je suis foutu. Ouais. Putain, 200 points de vie près, je pouvais résister. Tiens, au fait. Je vais pas le laisser non plus se former une défense, parce que depuis tout à l'heure il pourrit. Allez, déguste. Voilà. C'est à moitié parfait. Attends. Non, je suis foutu. Ah, c'est dommage. C'était une bonne carte, mais j'aurais dû l'avoir plus tôt en fait cette carte. Ça sert à rien. Regardez. Hop là.
Donc ça va détruire son ninja, voilà. Si cette carte j'avais pu l'avoir plus tôt, ça aurait été parfait. Mais là non, ça sert à rien. Je le déteste. Je le déteste. Je le déteste. Lui, toute sa famille, je le déteste. Faut aussi dire. Was give up. Puis quand j'abandonne, moi j'en ai juste marre de me faire pourrir. Allez, 1 contre 1, c'est encore lui. Oh, le fer à canon, viens par là, viens que je me fasse des points. Comme ça je pourrais acheter des cartes. Oui, oui, là il va déguster. Et encore, je crois que c'est dommage qu'il est pas dans ce jeu. Mais il existe une carte, Mouka Mouka enragé. Alors il a 5 étoiles, donc bon, faut faire un sacrifice pour pouvoir l'invoquer. Mais en échange, il gagne, il a plus de points d'attaque de départ, je crois qu'il en a 1200. Et il gagne plus à chaque fois qu'on... Ouf, ça va faire mal à mon deck ça. Et il gagne plus pour chaque carte dans la main. Oh, j'ai perdu Ryoran, mon monstre le plus puissant. Rage. Oh, j'ai essayé de faire avec. Ça, c'est la carte qui sert seulement quand on a un insecte en face de soi. Ah, Ménard. Attendez, je vais le pourrir. Ah, parce qu'en fait, j'ai peur qu'il me fasse comme la dernière fois et qu'il me mette son cocon d'évolution. Ah mais c'est dingue la différence de niveau qu'il y a entre lui et Cyrus, hein, sans blague. C'est hallucinant. Mais pourquoi j'ai essayé Yami dans mon deck, moi? Ouais, c'est même plus son cocon d'évolution. J'ai de la chance. Non, parce qu'en fait, je voulais le bonus d'avoir toutes les zones de monstres remplies. Attaque directe. Voilà, duel terminé. Encore 2 duels gagnés comme ça et je monte encore de niveau. Allez, j'ai encore le temps de faire un duel avant le couvre-feu. Allez, technique d'invocation, Cyrus. Oh, même pas.
Mais c'est que j'ai de la chance moi en ce moment. Don't stop me now. Ça va, je commence avec une bonne main. Ah ben, comme ça, je pourrais même apporter le monstre que je veux tout à l'heure, s'il se fait détruire. Mon dieu, des têtes de l'île de Pâques. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux apporter à ma main qui serait bien. Allez, j'ai amené Koji Kotsi. Ah, j'aurais pu apporter une gentleman de l'illusion à la place. Pas grave. C'est pas comme si c'était vital, quoi. Voilà. Mais là, dans le jeu, le lendemain, j'achèterai à nouveau des cartes. Parce que bon, je crois qu'encore, niveau cartes, je suis encore un peu limité. Là, c'est un petit peu mieux par rapport à ce que j'avais avant, mais bon. Si je peux avoir des cartes plus puissantes, ce serait pas mal, quoi. Bon, à 10 contre 1, il m'a mis les têtes de l'île de Pâques comme mode défense. Allez, on fait comme tout à l'heure. Hop là. Eh, je suis sûr qu'il m'a mis les têtes de l'île de Pâques. Mais c'est d'une carte. Pas tout de suite. Si jamais c'est autre chose, voilà. J'en étais sûr, mais bon, on sait jamais. De toute manière, j'aurais eu le dé au cas où. Pour augmenter un peu l'attaque de Gazelle. Allez, déguste-moi ça, mon gars. Tu me diras des nouvelles. Oui, je suis sûr. Oh, et pour le coup final, je vais faire mal, très mal. Et ça, je vais mettre ça se cacher. On sait jamais, si je peux pas le détruire avec les monstres, ça va être... C'est bon. Ah oui, c'est vrai, on peut pas jouer une fois posé. Bon, pas grave. J'ai quand même gagné. Voilà, c'était ma dernière victime de ce soir. Bon, bah, comme hier, j'ai un autre affaire à part dormir. Hein. C'est le temps d'aller à l'école. Ah mon dieu. Ça sert tellement à rien.
Ouais, et il y a que quand tu auras des events que les courses seront utiles. Mais sinon, mon dieu, que c'est inutile. Entrée. Store. Ah, et on dit qu'il y a un nouveau booster. Alors voyons ça. Voilà, alors on va voir ce que j'ai récupéré. Nul, 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 bien, excellent. Ah, les épées de révélation de la lumière, ça c'est excellent. Alors, nul, nul, pas mal, pas mal, excellent aussi. Alors, nul, 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 pas mal. Je joue pas Exodia, moi. Alors, je sais plus, pas génial, pas mal. Putain de puissance si on a les cartes qu'il faut. Un crâne invoqué, un dragon noir aux yeux rouges, et vous avez cette ce monstre. Ouais, ouais, ouais. Guerrier DD, je l'ai déjà. Ouais, ouais, ouais. Bof. On va récupérer grand chose d'intéressant. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est bien seulement si on veut jouer un dragon noir aux yeux rouges. Non, 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 non. Masque des ténèbres permet de récupérer un piège. Bon, c'est nul. Celui-là, il est nul pour le moment. J'ai pas récupéré les cartes qui sont bien dedans. Hop, là, il est dortoir. Bah écoutez, je vais refaire encore un petit peu mon deck. J'ai 2-3 cartes à retirer et d'autres à mettre. Ok, donc le lapin, il va dégager vite Fissa. Jellyfish, pareil. Kojikutsi, idem. Megazoler, je garde. Yoran, c'est bon. Sagi, il est pas trop mal encore. Sangan, germe d'infection, il me sert plus à rien, je m'en sers jamais. Tant pis, j'en avais deux. Il me sert à rien. Yami ne me sert à rien. Voilà. Et l'attaque en double fourche me sert à rien. Voilà, alors. Alors, ça, hop là, un nouveau. La belle chasseuse de tête. Clown zombie. Bof, il est nul. Non. Dragon rampant, non. 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 Gamble. You can activate your open stand is 6 or more card and your hand is 2 and less. Doesn't create in call end or tail. If you call it right, draw until your hand was 5 cards. If you call it. Non. Plus de crever. Du tout. Bah. Voilà. Alors, non. Guest. Dead of this card, when on or more of your spell card are destroyed, they send to the field to the graveyard. By a card effect your opponent control. Destroy one to enter comme you feel. Ouais, non. Non. Inotama, non. Non. Insecte barrière, là. Non. Kunai avec chaîne. Donc là, dès que j'active, je peux sélectionner deux effets. Ah ouais, zut. Alors attendez. J'espère que la touche Y, c'est sur ma manette. C'est bon. Donc alors. You can activate this card when your opponent's monster attack, change the battle position the attacking monster to defense position. Donc en gros, s'il y a un monstre qui attaque, je peux le passer en mode défense. Ou alors, je peux l'équiper un monstre pour augmenter son attaque, son attaque de 500 points. Donc comme ça, ça peut servir à but défensif et à but offensif. Le masque des ténèbres permet de récupérer une carte piège de votre terrain. Ouais, moi ça m'a jamais plu. Messager de paix. Alors ça, c'est la carte que vous devez détruire dès que vous pouvez. Vous allez détester dès que vous allez l'avoir.
En gros, tant que cette carte est sur le terrain, tous les monstres de 1500 d'attaque ou plus ne peuvent pas attaquer. Et vous payez 100 points de vie par tour pour la garder là. Si tu ne le peux pas, tu détruis cette carte. Vous pouvez activer cette carte que lorsque les points de vie de votre adversaire sont 3000 ou moins. Infligez 500 points de dégâts au point de vie de votre adversaire durant chacune de ses stand-by phases. Tiens, ça va être bien pour donner des trucs grâce. Non, Rimestrap, non. Rimestrap, non. Rikishi, non. Non. Skull Invitation. À chaque fois qu'une carte envoie au cimetière, infligez 300 dégâts au propriétaire de cette carte. À vous faire voir. C'est chiant, c'est qu'en fait cette carte elle peut être bien que face à Cyrus. Stone Bay Circle, alors ça c'est bien, ça permet d'empêcher un monstre d'attaquer et changer sa position de combat, donc comme ça serait parfait, tiens. Contre Cyrus. Les épées de révélation de la lumière, alors ça, c'est un must-have. Notoriquet, To Headed King Rex, roi Rexa de tête, il est très bien. World Suppression. Ouais, non, ça s'empêche les activations de cartes magiques. Bah écoutez, c'est très bien, ça me fait pile 40 cartes. Hop là, voilà, la version refaite. Comme ça me fait déjà un peu plus de pièges. Ça permettra de mieux me défendre. Ouais, allez. Et c'est reparti pour les 15 milliards de duels. D'ailleurs, j'ai eu dans quelques commentaires déjà des questions de savoir quel genre de deck je jouerais. Je vais le redire, je vais vous le dire tout de suite. Au début, je fais un deck que j'appelle donc Yasuchi Power. En gros, c'est je fais le deck avec c'est un power deck en gros que je fais au début. En gros, c'est je mise tout sur l'attaque. Bon, un petit peu de défense au cas où, mais la grande majorité de mon deck au début est basée sur l'attaque. Mais par la suite, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que je vais jouer. Franchement. Parce qu'à vrai dire, dans ce jeu, bah, la récupération de cartes, c'est vraiment très aléatoire, et surtout que les boosters n'ont pas de spécification. C'est à dire que pour dire ok, vous allez avoir prenez ce booster, vous allez avoir telle ou telle carte qui permettra de fonder tel ou tel deck. Non, c'est un petit peu par série quoi. Enfin, c'est assez étrange. Et donc tant que tant que j'aurai pas les cartes suffisantes, et bien je pourrai pas fonder de deck, sauf que je vais pas non plus chercher à avoir un deck en particulier. Donc j'achèterai les boosters totalement au hasard, sur l'envie quoi, comme je désire. Bah, comme j'ai fait jusque là. Mais une fois que j'aurai rassemblé assez de cartes, je regarderai quel genre de deck je pourrais faire. Par exemple, dans mes anciennes parties, je fondais des decks basés sur un type, hein, ou sur un élément. Par exemple, je faisais un deck uniquement basé sur... mince. Sur les monstres démons, uniquement basé sur les monstres type lumière, les monstres union, donc avec les VWXYZ, des trucs comme ça. Voilà, donc ça dépendra vraiment de ce que j'aurai, quoi. Là, je crois que l'effet de ce monstre, c'est de prendre le contrôle des monstres machines et puis, hein, mais bon, parce que j'en ai pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par Oh la saleté, j'avais oublié cet effet de ce monstre. Il réduit l'attaque et la défense du monstre qu'il a détruit de 500 points, donc en gros mon collier n'a plus d'effet sur mon combat.
Bon, on va se garantir la victoire. On va au moins voir ce qu'il a. C'est bon. Mais parce que les effets de révélation de la lumière, en plus d'empêcher l'adversaire donc, d'attaquer, a en plus pour effet de permettre de retourner les cartes face cachée. Enfin, ces monstres face cachée. Hein. Faut pas rêver, je vais pas nous retourner ces magies et pièges. Ah, que le début de ce jeu est long. Et voilà. Ça, c'est fait. Et en plus, j'ai gagné un niveau. Il pense qu'il a bien joué. Bah putain, mon gars. Je sais pas quelle estime tu as de toi, mais t'es tolérant envers toi-même. Hein. Raclure, t'aurais pu me laisser jouer. Mon Dieu, enfin il passe à l'attaque. Mais pas de chance. Mais l'esprit était là. Hein. On sentait qu'il en voulait. Hein, mais pas de chance. Et il tombait sur moi. Ah d'ailleurs, si je me trompe pas, voilà. Merci pour sa magie de terrain. Ah, qu'est-ce que j'aime lorsque les ennemis jouent des magies de terrain et que je peux en profiter. Je crois que je vais me faire avoir. Ah non, même pas. Ça c'est bien joué. Ah bah moi je vais mener l'attaque avec mon truc parce que je suis sûr. Ah non c'est bon. Ah par contre je crois qu'avec ça il va pouvoir aller chercher un insecte dans son deck. C'est un peu un équivalent. Hein? Mais il est bête lui. Parce que si je me cours pas. Attends, il va falloir que je vérifie. Attendez. Ah non, je me suis trompé. Dans mes souvenirs, c'était un monstre donc qui avait l'équivalent. En fait, c'était l'équivalent insecte du rat géant. Donc qui invoque, qui permet d'invoquer un monstre insecte depuis le deck et c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors là, s'il n'est pas foutu. Non, je lâche avec le roi des bêtes mythiques. Et juste pour l'image. Même ça m'étonnerait qu'il résiste à sourd quand même.
Hop là. Ah, c'est-à-dire que là, c'est bon. Il m'a enregistré. Bon, par contre, là, ouais, j'ai dépassé la demi-heure de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter ici. Hop là. Ah. Ça, voilà. Voilà. Tout ça, lui, c'est pour dire... voilà. C'est bon. Donc, en fait, je reçois des mails lorsque il y a quelqu'un qui me... qui me rentre en ami. On va dire ça comme ça, tiens. C'est on s'enregistre mutuellement, comme ça je saurai quand est-ce que ce sera lui, en fait. Il y aura sa tête qui apparaîtra au-dessus du truc de duel. Et ben, comme ça je pourrais l'affronter tranquille. Et même, ce que je pourrais faire, c'est même carrément le voir et aller vers lui pour l'affronter directement. Voilà, et ça c'est génial. Bref, je vais m'arrêter ici parce que faire un duel de plus, ce serait vachement long, je pense. Donc, eh bien, c'était unkedamatest.com pour la... Je crois que c'était la quatrième. Ouais, pour la quatrième partie du walk de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Core. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, eh bien, je vous encourage à visiter les liens dans la description de la vidéo qui mènent au site, au forum et à la chaîne YouTube Amatest. Pour ma part, eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !